Bienvenue à San Pedro de Atacama. Je suis votre guide touristique et aujourd'hui je vais vous parler du célèbre geyser del Tasio. Le geyser del Tasio est situé à une altitude d'environ 4320 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui est en fait l'un des geysers les plus élevés du monde. Son emplacement en haute altitude dans les Andes lui confère une beauté naturelle unique et des paysages impressionnants. L'une des caractéristiques les plus intéressantes du geyser del Tasio est sa température. L'eau qui jaillit des geysers peut atteindre des températures supérieures à 85 degrés Celsius, créant des colonnes de vapeur et des jets d'eau chaude. C'est une expérience incroyable de pouvoir observer ce phénomène naturel et d'être entouré de vapeurs et de piscines thermales bouillonnantes. En ce qui concerne la distance depuis San Pedro de Atacama, le geyser del Tasio est situé à environ 90 km au nord-est de la ville. Le trajet jusqu'à là-bas prend généralement environ 2 heures en véhicule, à travers un magnifique paysage désertique. Maintenant, parlons de la signification des geysers. Les geysers sont des formations thermales alimentées par l'activité volcanique souterraine. Ces sources d'eau chaude sont le résultat de l'interaction entre l'eau souterraine et le magma chaud situé près de la surface de la Terre. Le nom « geyser » provient du terme islandais « geysir » qui signifie « éruption ». Les geysers sont une démonstration impressionnante de l'énergie et de la force de la nature. Ils nous rappellent l'activité volcanique qui se produit sous la surface de la Terre. De plus, les geysers sont également importants d'un point de vue géothermique, car ils représentent une source d'énergie renouvelable et durable. Lors de votre visite au geyser del Tasio, vous aurez non seulement l'occasion de vous émerveiller devant ce spectacle naturel, mais vous pourrez également profiter d'un bain dans les eaux thermales avoisinantes. Ces eaux sont considérées comme bénéfiques pour la santé et de nombreuses personnes apprécient leurs propriétés curatives et relaxantes. N'oubliez pas, lors de votre visite au geyser del Tasio, il est important de respecter les consignes de sécurité et de suivre les recommandations du guide. L'altitude peut affecter certaines personnes, il est donc essentiel de rester hydraté et de prendre les précautions nécessaires. J'espère que cette brève explication vous a donné une idée de la merveille naturelle qu'est le geyser del Tasio. Profitez de votre visite à San Pedro de Atacama et de la beauté de cet endroit unique au monde. Atacama ainsi est à vos côtés. Votre guide touristique virtuel et physique. Nous vous attendons à San Pedro de Atacama, Chili. Ci-dessous, vous trouverez un livre numérique et l'accès à notre guide touristique. À la prochaine vidéo. Merci.